Savior, my God and King, I will sing holy. Tout ça là qui est un galop de scène dans le mois de janvier. Mm-hmm. Le gouvernement a dit que c'est un galop de scène dans le 19, 20, 21 janvier. Tu sais que ceux qui sont en train de se faire, c'est de quoi on est capable. Tu as qui doute, tu as qui s'est dit, mais tu as preuve que tu es capable de l'amour sa population et de renverser le pouvoir. S'il y a une personne à abattre dans le Congo, c'est M. Kabila, à abattre M. Kamere. Bonjour et bonsoir. En même temps, selon l'endroit où vous vous trouvez présentement pour suivre notre émission sur Eurotech TV, il est présentement 15h10 à Paris. À Paris où nous avons bien choisi cet endroit, Paris Plage, pour vous présenter notre émission. Bonjour Monsieur Biongo. Monsieur Biongo n'a pas l'habitude de passer sur notre antenne. Donc la première question que nous allons lui poser, c'est de se présenter pour que vous qui avez l'habitude de nous suivre puissiez bien le connaître, savoir qui il est. Monsieur Biongo, voulez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Monsieur Robert Biongo, les intimes m'appellent Roblex et je suis le premier secrétaire fédéral adjoint de l'INC France. Comme à l'accoutumée, donc, dans notre émission, nous allons naviguer entre deux langues. Nous allons parler un coup en lingala, un coup en français, tout en sachant que la plupart des questions que nous avons reçues de vous sont des questions qui ont été posées. Ingénieur technicien diplômé en 1984 à Kinshasa, vous n'êtes pas arrêté là. Quand vous êtes arrivé en France, vous avez poursuivi vos études universitaires et ces études ont été sanctionnées par un diplôme universitaire de technicien en réseau informatique, donc à Yprek, ici à Paris. Et actuellement, vous êtes embauché chez Mercedes-Benz. Depuis 1988, où vous occupez le poste de technicien diagnostic. Électronique embarquée dans les véhicules. Ok, très bien. Donc, vous vous occupez de tout ce qui est diagnostic. Électronique embarquée dans les voitures. Et au sein de l'INC, puisque vous représentez l'INC, vous nous avez dit que vous étiez premier secrétaire de ces partis. Premier secrétaire fédéral adjoint. Adjoint pour INC. Chargé d'implantation du parti et des organes de base. Basé à Paris. Nous sommes basés à Paris. Et Sengweza Yabiso pour Namkola Lelo, puisque Tozaki Namituna est belé et belé. Selon remonté à fidèle téléspectateur Nabiso. Mais Biso, tu ne crois jamais qu'on se permettre qu'on paie ça et à nous, na place à tout au bazar acteur. Politique à Kata France, c'est la raison pour laquelle tu bengis ça de manière à ce que ou apporter lumière ou éclaircir un petit peu le point d'ombre où ils ont Kata y a mitou y a ba téléspectateur na mission. Pourquoi M. Biongo a choisi l'INC déjà? INC, Union pour la Nation Congolaise. Je choisis INC par les visions de notre président Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, c'est un monsieur que je connais très bien. Je connais les parents, papa, maman, les frères et sœurs. J'ai grandi et étudié avec lui. Nous avons passé notre diplôme d'État, le baccalauréat à Kinshasa. Moi, j'ai fait la biochimie et lui, il a fait la maths physique à Mbujimayi. Après cela, nous sommes venus à Kinshasa pour poursuivre les études universitaires. Et dès là, moi, j'ai opté pour la polytechnique. Lui, il est parti faire la science éco. Et au travers de sa vision, de sa détermination de faire un Congo meilleur, prospère et fort, et il a une vision très forte pour le Congo, je peux opter pour ce monsieur. C'est encouragé, avec lui, le Congo de demain sera un Congo fort et prospère. Mon parti va très 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 bien. À Paris, il y a beaucoup d'adhésions. Et là, nous venons d'installer la section de Strasbourg. Et bientôt, on nous attend à Lyon et puis à Pas-de-Calais. Et à Kinshasa, avec la sortie de notre secrétaire général, M. Bertrand Iwanga, il y a beaucoup d'adhésions, ça va faire beaucoup de bruit. Et avec sa sortie, bientôt, nous allons descendre au Bas-Congo et dans la région de l'Équateur. Et vous allez voir comment nous allons encore battre plein en cœur dans ces deux régions. Donc là, vous êtes vraiment déterminé à vous implanter partout, aussi bien à l'étranger qu'au Congo même. Puisque pour l'instant, on vous voit plus à l'est.
Non, non. L'INC, si vous voyez, d'après les diagnostics des ministères de l'Intérieur, l'INC figure parmi les quatre grands partis politiques. Nous avons que 5 ans d'existence. Au bout de 5 ans, nous sommes implantés dans 75% du territoire congolais. Donc, nous sommes partout. Ce n'est pas seulement à l'Est, nous sommes partout parce que nous représentons 75% de notre popularité dans l'étendue nationale. INC, Mopepe Asika. Puisque Bozaki n'a mon pépa Kala, Lesaki Nini, Yassike Zanini. Pourquoi appellation à mon pépé Yassika? Tu as vu que INC, pour l'ambition, ça suffisait déjà. Mais pourquoi mon pépé Yassika? C'est une façon de voir les choses autrement. Place Balinga Balinga pour s'accrocher dans le pouvoir, mais surtout au monde alternance. Place Balinga pour sa mauvaise gouvernance, mais surtout au Lakisa, façon de gouverner Mboka, paix pour Kamamboka dans de bonnes conditions. Et ensemble, les critères nous sont là. Bisotobi en Mopepe Yassika. Oya ko yiba, oya ko torturer batou, oya influence dans la justice parce que Azan de Kouya général, ton de Kouya, dans Mopepe Yassika, ces choses-là, il faut exister le soudier et tout le monde a vision, moussousou, dans Nenga ou Kamamboka. Donc, avec toute la transparence, Maramou et Akala, il faut aller le soudier dans Mopepe Yassika. Le président Kamer a l'un de Ameta qui est en place, puisque il a quand même cerveau moteur en ce moment-là. S'il y a eu beaucoup de choses mises en place, c'est aussi grâce à lui. Et aujourd'hui, il a tourné Kazak à l'Obino. On a tchaki en place avec Kabila, na boye en haut, mais lelo. Nani changement, est-ce qu'on diminue vraiment que puisque bon bah qui c'est mon peuple asika et que peuple congolais on s'en a convaincu. Oui, qu'on construire avenir t sans on s'en a passé. Il a travaillé avec Kabila certes, mais tant on monique où est au proposé qui pour tout ça là pour le peuple congolais. Gouvernement en place, bas ça qu'on a projet et proposition bas salarité, bas ça là autrement. Alors il a jugé bon il a qu'on s'est retiré puis il a qu'on s'est conduit autrement. Vital Kamerhe. Rwandais, Burundais, Congolais, Togolais. Alors, origine douteuse, mais les Camerounais, jusqu'à la preuve du contraire, tant que nous allons éclaircir les Camerounais. Il y en a qui disent non, non, afin d'avoir la frontière entre Bukavu et Rwanda, c'est ça pour laquelle Azoa Komwana. Mais je suis même surpris de vous entendre dire que Botangana est, mais pour avoir un témoignage jusqu'à présent, ils auront que non. Borigine, et ça de l'autre côté, il y a Rwanda. Mais alors, je connais la vérité pour nous apprendre le Kambo. Avec autant de missions que Salina, na espère na eu en communication, qui parle souvent de l'INC, et qui à ce jour a toujours na doute à si l'origine il y a Cameroun. Tout à l'heure, tu me diras, Aza Burundais, de l'autre côté, Aza Tanzanien. Et ça fait plus de 30 ans où M. Cameroun est en Congo. Abotama, enfin, là au moins 55 ans, et qui vous ont tourné toujours à rond, vous auriez identifié la nationalité naïtienne. Donc il y a un problème. Il y a un problème de Onanga parce que Kamere, à l'introduction, j'ai grandi avec lui. Le Naïbi Papa Naé, c'est un Congolais. Mama Naé, c'est une Congolaise. Baya Naé, Pébale Kinaé. Donc, à la preuve du contraire, Papa Naé Koufa na na cimetière à Gombe, beaucoup qui connaissent Nagoluka, certificat et décès, parce que tu peux tromper sur l'attestation de naissance, mais attestation et décès, attestation et décès, au cas où qu'on falsifie en côté pour Luka quelques avantages. Mais vous avez quand même courage à retirer votre diplôme né dans internet, mais bien sûr. Pourquoi vous retirez certificat de décès? Une preuve. Nazali, quoi, au moment où tu as marqué les mains sur votre diplôme, banin. Tout type de diplôme en ligne, hein, et depuis là, vague, il y a diplôme, ils allaient se soutenir. Mais quelques batous au bazar, idée moko tordi, toujours continuer, c'est la nationalité. Tu vois, comme on a caravane de la paix, mais c'est Kamer Asala qui il y a 2 ans. Tout le monde l'air à Kena Est, n'engani ni ban à Yamboka, il y a Minsomi na Bango. Il y a Mimouan na Bango, que oui, le fils du pays qui arrive. Tout le monde a dit en Gouéma, n'engazalagi. Ah oui, encore, Kobet encore, deuxième tournée, sur les tournages à films, sur le Congo. Tout le monde encore battu à SNNBMBA. Est-ce que vous êtes toujours dans la doute? Si je vais encore t'ajouter encore un élément nouveau. Son frère, que je connais très bien, Vital Kamerhe, il s'appelle Justin Kamerhe, à Célestine à 82-83. Lui, il n'a pas d'ambition présidentielle.
Alors beaucoup qui n'ont pas fiché à Ista, bout à la acquis la nationalité nène. Et abanne qu'on soit bourse nène. On soit bourse à conseil exécutif. Parce que si vous voyez parmi les pionniers à Ista, tant on peut ça bourse tout ça. Avec la liste, il y a ma boursier à conseil exécutif. Ce qui est son frère qui ne peut pas dissimuler sa nationalité parce qu'il a une ambition présidentielle de Aza Congolais, et pourquoi Vital a dissimulé ma nationalité là. Tout ça quand même bah intellectuel. Tout ce qu'on a d'archives, on a d'archives, soit t'as ma frère naïe, toi bah y a des Congolais, Mususu, beaucoup moins que c'est des vrais Congolais. Il y a encore un autre frère à lui qui a terminé encore la Unikin comme docteur. Oui, on a autant là. Il a bien mis docteur, il n'a pas papier nain. Il y a pas Rwandais, il y a pas Burundais, et autres, il y a pas Congolais. Et moi, je peux te confirmer encore que M. Vital Kamerhe, c'est un vrai Congolais comme toi et comme moi. À vous, DJ Bino Bandeko Balandi. Bon, toi, bureau, il y a président Kamerhe, Bazo, continuez à confirmer que Kamerhe Azali Congolais. Azali Congolais. Et donc, à quoi il faut poser candidature. Bien sûr. Relation, Ezaki, Malamou, Naba parti. Avec certains partis, mais pas vraiment avec d'autres. Alors, Nazosa la allusion, il y a relation, il y a UNC, na UDPS. Tomoni, président voyager Mingi. Bon, on a retenu le Moko, na voyage Oyasu Kazaki, très 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 proche na Félix Tshilombo, donc le fils de Papa Tshitshi. Et donc, alors, d'après les rumeurs, Kamerhe aza contre dialogue. Mais comme ça visiblement azolo bakeye aza contre dialogue. Biso tous allez contre dialogue. Et au début bokomo na tango élection qui controversée. Tout monde a Kamerhe Félix Tshisekedi je crois Christian Badibangi et Failou bazwa qui avion puis bakina na Addis Abeba. Pour contester l'élection au Congo, Congo, mais que l'élection c'est Papa Tshisekedi Mutu a gagné qui l'élection et que Kabila a eu l'élection il y a Tshisekedi et na cahier des charges na bango Kamerhe a 47 résolutions pour rétablir ordre na kati ya Congo et sur ces 47 résolutions on a aussi un rapide dialogue pour tout ko bongisa makamu ndenge Kabila a eu l'élection. Bon tout le monde on a to baye na concertation nationale. Toi là qui parmi Batou Obalwa qui oui, tout ça qui est la concertation nationale. Tu commis, tu peux aussi cahier des charges, la concertation nationale. Et na quand il y a cahier des charges, on a bango balingi, balinga qui macam oui, tu peux aussi la cahier des charges dire. Et na conclave, il y a bas opposant, tu vendis, tu solo le bon, balingi macam il y a aussi tu cahier des charges dans ce terrain, tu mets bien dans la concertation nationale. Donc tu boya qui en bloc concertation nationale. Tu leli macam il y a dialogue. Makamba dialogue to lelango ça fait maintenant plus de 3 ans. 3 ans to na katia conclave na katia coalition mabengango à CVD conclave pour le vrai dialogue. Tout le monde là Martin Failou, monsieur Vital Kamerhe na kati, Franck Diongo, Mokia et tout ça, tout c'est un vrai dialogue pour tout ko la cohésion nationale na katia mbokana après les élections controversées. To singi par tous les moyens ba boy et au moins même que notre secrétaire général monsieur Bertrand Iwanga bati na boloko c'est l'opportunité parce que lelo oui, justement bati na boloko pour que asenga ki dialogue na kata dialogue basenga ki ba pesi bango terrain na Sainte-Thérèse pour bako ko s'exprimer et na discours na bango ba pesa ki ba basenga ki vrai dialogue et ba kangi monsieur Bertrand Iwanga soit disant bon outrage à la présidente de la République tout ça il a dit que la vérité non mais il a dit non mais non il y a ce article nezar lo bakay soko fini présent fo bakanga. Il faut savoir que ce soit fini présent pour Bakangao. A débordaïté, c'est un dialogue et puis lui il a dit la vérité. Bakangi est basé dans le boulot. A Salé maintenant, il est en prison. Là, il y a 3 jours, M. Yang a fêté quand même sorti à M. Bertrand Iwanga. Vous avez fêté parce qu'il y a. Donc, c'est-à-dire que ceux qui, par exemple, Kabila, Batazo continue le bakayer, Aza Congolais, Iwanga. Donc, à vous poser en tant que Yé Mouanambo, voilà, l'espoir repose sur lui maintenant. Non, l'espoir ne repose pas seulement sur lui. Iwanga Azali, secrétaire général.
à coquille que ce qu'on jambé bah pâté tout ça la présidente est partie mais sur la carte ayant cette démocrate au moment opportun tout au zonga tout ça la conclave tout côté la carte y a conclave d'avis et la carte y a conclave on a tout au yeba que désigner président au y a que postuler et pour nous jusqu'à la preuve de contrôle c'est Vital Kamerhe mais c'est Bertrand Iwanga tout bah kangié parce que c'est un dialogue il allait de prison si vous vous bimsez Libanda bon maintenant nous voulons le... Parce qu'il avait demandé, il avait demandé le dialogue. On dit vivement que le roi Iwanga Bimi a oui. Otika Nabino. Bien sûr, pourquoi non, pas. Non, puisqu'on l'a mais vu pourquoi à, pas. À plusieurs reprises. Pourquoi pas. Bimi Maratam Soussou, à comment la casquette Moussou depuis non, la non, prison, étant Abimi. À quoi il a la casquette Moussou Souté, il tient à ses propos et il tient à son parti cher INC. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Non. Tozoa qu'il a un téléphone, ascenseur. Et à Siré Fédération, Fédération Nyoso, il y a Congo comme il y a Diaspora, qu'il est toujours avec nous et à couper encore une autre impulsion pour la INC. Et pour conclure, nous disons, nous ne voulons pas de ces dialogues et nous disons non. Président Kamerhe, Azan a beaucoup de respect pour Étienne Tshisekedi. Oui. Et ils sont vus à plusieurs reprises, dont la dernière fois date de pas très longtemps, je crois 2 ou 3 mois. Il était ici. Non. Ah si. Ils ne sont pas vus avec M. Tshisekedi. Ils ne sont pas vus. Non, monsieur. Non, mais il y a des interventions sur Internet aujourd'hui. Moi, j'ai suivi M. Ngwanda qui nous renseigne sur le web que bon il est pour nous refouiller information il est très dur de ce côté là puisque c'est son métier puisque c'est son domaine donc il semblerait qu'il était là il a été voir Félix il voulait que Félix Bayoukana a passé premier ministre de manière à assurer le glissement il y a mandat il y a monsieur Kabila est-ce que vous êtes au courant de ça ou vous êtes au courant et vous ne voulez pas le dire au Gomona ce qui nous différencie dans la partie de Moussousou, c'est que quand nous disons la vérité, Moussousou a une intox, puis la désinformation à la population. Si tu as la vérité, tu as été devant l'écran, devant les médias, tu as consulté IDPS, tu as consulté Ngwanda, ou tu as consulté la partie de Moussousou, tu as la proposition, puis tu as une idée de la suivre. Il y a 3 mois, le président Vital Kamerhe a été invité dans le Parlement européen. Tout ça, il est à Bruxelles, il y a quand même une image. C'est là qu'il y a une réunion dans le Parlement européen. Attends, mon frère. Oui. Il y a un entretien dans le Parlement européen, à intervenir, à Silesi, à Bengi Diaspora, Nios, à INC, à Europe. Et il y a plus de 200 personnes. Et tu es dans le Parti Socialiste à tenir conférence. Après conférence, le Parti Socialiste a invité Bissot dans le restaurant pour te partager un repas amical. Et de là, à Zouaki Avionae, à Kenya, la Grèce. Et quand tu as dit que Bakoutana a Félix Tshisekedi ou Bakoutana a Papa Étienne Tshisekedi, non, je t'ai dit c'est non. Étienne Tshisekedi. Mais à partir de ce moment-là, on commençait déjà à parler dialogue. Tout le monde, avant. Parce que Bissot, tu as dit dialogue à partir de décembre 2014. Tant que tu as dit tellement dialogue, tu as forcé, balengi dialogue, le président Kamerhe, qu'est-ce qu'il a fait? A Bengi, parti national. A Bengi, tu as dit, écoute, tu as dit dialogue, si tu as une année à mandat à Kabila, alors tu as dit que l'importance est de dialoguer. Et après cela, pour nous, c'est toujours notre façon de diriger, ils ont autrement, si on peut passer à Zongi sur sa base maintenant, là, c'est à toutes les populations. Bolingi dialogue, bolingi dialogue. Base, il y a c'est. Nous avons remonté l'information et pas à Mukunzi. Pour dire non, Mukunzi, tu as un dialogue. Et de là, il dit écoute, nous sommes au bureau national. Tu as décidé qui tu as un dialogue. Tu as un dialogue. Est-ce que tu as raison pourquoi tu as un dialogue? Bien sûr, tu as un dialogue. Tu as un dialogue. Ça fait au moins plus de 3 ans que tu as un dialogue. Mais c'est Kabila, il y a une année, il a fait un mandat. À quoi bon d'aller encore parler avec lui? Parce que Maramounios, c'est un niveau de CENI. Ils ont des prérogatives à CENI. Alors pourquoi aller dialoguer avec le président de la République et pourtant CENI, ils ont apte à résoudre le problème de CENI sur le dialogue.
Donc c'est ça la raison pour laquelle vous refusez d'aller au dialogue. C'est ça la raison. C'est pour ça que déjà, tu n'as qu'à les charges dans la mission. Mm. N'as qu'à les charges dans la mission, c'était trop facile d'abord. Tant que tu n'as qu'à le dialogue. N'as qu'à les charges dans la mission, tu as un dialogue. Mais un, on ne touche pas la constitution. On ne touche pas la constitution. Pas changer le mission CENI. Pas restaurer CENI. Pas bimisa va prisonnier politique. Ou pas kanga injustement. Pas bimisa va journaliste. Bah libérer ma chaîne y a médias comme chaîne sur Canal Futur ti les loza bakangango injustement. Bon, tu sais que tous ces nombres y a biloko na quelle charge n'abso là tout le monde qui dialogue, mais si quand tu es au ce n'est plus la peine aucun dialogue. Ben il faut respecter bah biloko tu sais que pour te dialoguer, et puis moment où tu commis awa ils ont sous temps y a dialogue et commis temps ramusus. Mais c'est Kabila, maintenant on a aussi dans la 2016. La 2016, tout le monde a sorti Moko civilisé. Aïe, a pessi, au revoir, bye bye avec le nouveau président, Oyo Akuzala, élu par le peuple. Ndebolobara, Vital Kamerhe. Bon, moi je suis de l'INC, hein, moi je suis de l'INC, je vois que M. Vital Kamerhe, celui qui a congrès à l'Abisso, et qui a congrès à l'Abisso, tu désires que c'est M. Vital Kamerhe, Ndebolobara, tu te représenter à Kokenda comme notre candidat. Et si actuellement, tu as dit que tu as exercé la carte de conclave, pas bien un conclave, tu as exercé la carte de dynamique de l'opposition. La carte de dynamique de l'opposition, là, ils allaient bah opposant au Balobaki non. Dynamique opposition, là, ils allaient bah opposant au Balobaki non la concertation nationale. D'accord. Et Balobi non la dialogue. Balobi non la article 220. Et bah Somi Amboka na biso bah leader au bas constant jusque là aujourd'hui Vital Kamerhe aujourd'hui Martin Fayulu aujourd'hui José Makila aujourd'hui Mokia aujourd'hui j'ai dit Fayulu aujourd'hui José Makila aujourd'hui Mokia aujourd'hui Nzoiba Eve Nzoiba parce que tu vois là bah toi là bah zali constant et bah ça bah vraiment bah radicaux. En 2016, M. Kabila, bye bye, au revoir. Donc, et la dynamique, au moment opportun, tu vas pour tous les Ghana la primaire. La primaire, la position là pour désigner candidat unique. Tu as un candidat en 2011, cette fois-ci, tu as un candidat dispersé. Que on a postulé, non, tu as un candidat aussi la dynamique de l'opposition, n'est pas Luka candidat ou tu représenté. Bah oui, mais ça va vous poser un problème. Donc au fait, si je comprends bien, donc l'opposition aura deux candidats. Alors. Non, mais si, puisque M. Tshisekedi ne fait pas partie de la dynamique. Bon, jusque-là, tout ça, on tendrait toujours la main vers lui. Hein. Tout ça, nous, tout ça va démocrate. Tout ça va démocrate et tout ça égoïste. Tout ça, on tendrait la main à tout le monde. Tout ça, on tendrait la main à l'IDPS. Vous y allez toujours en ordre dispersé. Tout ça, ceux qui, mais c'est Tshisekedi à rejoindre Bissot. Donc ça veut dire que tout ça est toujours bloc. 2011, tout ça qui bêtise, tout qui a ordre dispersé. Cette fois-ci, si l'IDPS vient nous rejoindre, dans la carte dynamique ou non. Cette fois-ci, opposition te redésigner candidat Moko. Et tout ça va passer la primaire très bientôt. Donc tout ça au Sénat, la ma force vive sur l'opposition. Bah dans la diaspora. Tout ça au Sénat, la candidat président de la République. Bah dans la diaspora, tel que Monsieur Emmanuel Ilunga. Tel que Kantompa, tel que Georges Alula, tel que les combattants et autres. Mais ce n'est pas la bloc Moko, tout le monde a tendre ma boko, opposant au Sali, cette dynamique qui est opposition à Kinshasa sur le terrain. Bazaro bang a fumé à Kanyamate, bazaro bang a massacité, va s'opposer parce que l'activité prève. Prève, il y a constance dans l'article 220, l'activité prève, il y a constance dans le janvier. Le 19-20 janvier 2015, la situation prévue il y a conscience Nabango sur la loi électorale. Franchement, tu coquilles vraiment qu'on peut avoir une certaine crédibilité pour que tu peux une impulsion et quelque chose à la fort bloc. Et en 2016, tu as candidat Mougon. Lelo osa convaincu ou osa convaincu que Kabila partira. Tu as respecté la constitution. Pourquoi cette constitution? Oui. Kurunzinza, Lelo, je crois bien prononcer le nom. Naransi Lelo a ses représentants qui, et puis au départ, c'était non, c'est représenté, il ne s'est prononcé même pas. Et puis au final, il s'est présenté, aujourd'hui, il est président de la République. Est-ce que vous craindrez que le scénario se reproduire dans Kinshasa ou dans le Congo en général?
et tout le monde a un chemin très clair et, tout, et droit. Ça veut dire respecter la constitution. La constitution est qui va payer gouvernance une fois, renouvelable. Tant que c'est le deuxième mandat, et si les gens se représentent sur le terrain. Puisque, mais bah, au Sénégal, il y a plan B, il ne faut pas s'attendre. Pourquoi Bolingo Sala a surprise le plan B? Bonjour Mindouki. Ça, je suis sûr. Puisque les combattants, les anciens combattants, les combattants, les anciens militaires, les anciens combattants, les anciens combattants, les anciens combattants. Bon, c'est ça le plan B pour vous? Et tout ça, là, qui est un galop de C dans le mois de janvier. Et le gouvernement a dit que c'est un galop de C dans le 19, 20, 21 janvier. Tu sais, bah, okay, ceux qui ont fait les beautés, tu as l'accès de quoi on est capable. Bah, tu as qui doute? Tu mets ma sasse, mais tu as l'accès de preuve que tu es capable de l'amour sa population pour renverser le pouvoir. Et bah, qui est obligé bah, d'extirper la loi électorale. Cette fois-ci, tu es ici en termes clairs qu'en 2016, ceux qui mettent Kabila à Kéité, il y aura ce plan B. Non, oui, ça a été sur le bimsa massas, tout ce qui est sur le bimsa néné, mais tout ça est prêt cette fois-ci pour que Makambu ait changé. Et en 2016, bye bye, monsieur le président de la République. Bon, on a vu que Wana Zamangungu et Obank Sanaoka Bilate, puisque l'armée est tenue par lui, et donc il a l'armée, il a l'argent, il a la force, quoi. Il dit, armée, massasi, mandoki, devant population, ils allaient au Moussous. Population serait télémise à déterminer. Deux jours, trois jours, au moins, il est au monsieur et au sal. Si peut-être en janvier, il y a eu un peu parce que le monde a déjà extirpé la loi électorale avant, et puis il n'y avait pas un suivi derrière. Mais cette fois-ci, on s'est préparé pour que tu assurer un soulèvement ou un boulot sur les salamés, il va avoir des suivis, il va avoir des suivis pour que le monde soit au salam. Les élections présidentielles ou non? En 2016, on dit vraiment que les élections auront lieu au Congo en 2016. Bon, pour Nabisso, tu es un démocrate, tu es un mandat en 2016. Pour Nabisso, tu es un élikia. Pour Nabisso, tu es un élikia et l'élection en 2016. Mais ceux qui ont au monde la stratégie, ils ont un pouvoir, ils ont un sala. Ils ont un glissement, ils ont un de gauche à droite. Bon, au cours de ça, peut-être un petit schéma pour nous montrer que tu as vraiment l'intention de l'élection. Mais pour nous, tu es biqué, d'après la Constitution, en 2016, il faut que tu aies l'élection présidentielle. Mais regardons seulement la stratégie de l'élection au sala. Ils ont montré que tu as l'intention d'organiser l'élection en 2016. Mais pour une intention, on a été. Non, pas une intention, on a été. Mais biso pour nous, l'élection seulement en 2016. Oui, mais pour Nabino, comme je disais tout à l'heure, que vous n'avez ni armes, ni moyens financiers. La question qui est l'élection en 2016, tout le schéma, il y a soulèvement populaire. Tout le schéma, il y a soulèvement populaire. Donc, vous êtes convaincu que peuple a zassi Manabino. Peuple a zassi Manabino, peuple a zassi. A lingi changement. Peuple a lingi changement cette fois-ci. Et le changement, c'est Caméré en 2016. Pour moi, en tant que camériste, pour moi, c'est caméré. Mais on a quatre, il y a conclave, il y a opposition. Ce qui va désigner la primaire, c'est lui, et vous allez. Ce qui va désigner un autre candidat, Tokolanango, parce qu'il voulait qu'apparaît un primaire. On dit mais vraiment, à moi, à l'élo, que ce qui va désigner un autre candidat qui est caméré, UNC, à Rolandé Nassima, pour notre soutien. Bien sûr. Tout ça, quand tu as conclave, il y a opposition. Mais quand tu as conclave, tout ça, pour solo là, tout ça, sur l'option, on a projet Moko, il y a gouvernement. Tout ça, on a projet Moko. Ceux qui te le kidnappent, soit par un primaire. Bah, je dis XY, monsieur, bah, tiens. Mais pourquoi pas ton dimanche? Si on limite le candidat Robima à la conclave opposant, ce qui est abîmé, il y de notre côté. Tu as un candidat Moussousou, tu as un bâton Mouki. Parce que tu as deux ou trois candidats dans l'opposition. Cette fois-ci, nous sommes déterminés. Franchement, Ndegoulan Jean, tout ça, l'élo dans le mois d'août. En 2016, Bisso, dans le conclave, il y a une dynamique, il y a opposition. Tu as un candidat Moko Nakati. Ceux qui ont Bisso, tant mieux. Ceux qui ont battu Moussousou, tant pis, c'est pas grave, tu as épaulé. Alors, pourquoi votre président est toujours en Europe? Donc, Azali, l'un des leaders politiques, ou Azali, Nazi, quasiment tous les mois, si j'exagère un petit peu. Quasiment tous les mois, M. Caméré est ici. Il y a des fois où on se demande comment il fait pour voyager autant de fois, mais où est-ce qu'il trouve l'argent, qui est-ce qui organise ses déplacements, comment il est logé, comment... puisque tout ça c'est un budget. Est-ce que vous avez le budget pour tout ça?
à l'UNC? Non, déjà non, le président Azana Europe a tous les mois. Il y a ceux qui ont occasion de s'engager, tu as rendez-vous avec le Quai d'Orsay, tu as rendez-vous avec l'Élysée, tu as eu rendez-vous, tu es le président, il faut intervenir dans le Sénat ou intervenir dans le Parlement européen. Alors, c'est présenté pour à intervenir. Et entre autres, Azak a présenté doctorat en Grèce. Donc, de temps en temps, il y a cours. Il y a cours en Grèce. Azongi a représenté ma session. Il y a Azongi. Il sera salé peut-être ma session en Grèce. Il sera un petit crochet à Paris, Suisse, à Londres, dans les pays européens. Azongi. Et dernier voyage, il y a Ayaki uniquement pour finaliser le film au Babanaki dans l'Est, sur le tribunal sur le Congo. Au moins, il y a 4 films. Il y a des films qui sont toujours. Pourquoi il n'a pas écrit un livre? Pourquoi j'ai refusé Kabila? Parce que j'ai choisi Kabila. Maintenant, il faut voir ça, le livre. Pourquoi j'ai refusé Kabila? Alors, il s'est projeté maintenant. C'est un leader, ouais. Il s'est projeté dans l'avenir, oui. Sur ces films-là, pour sur les films, les tribunaux sur le Congo, et Azak Olakisa, Mabé et Salama, le gouvernement, Azak Olakisa, le contrat, il y a minéré de sang, Azak Olakisa, comment le gouvernement est incapable d'agir, comment le gouvernement est perdre Mongo dans minéré de sang. Azali ko laksa, comment le peuple congolais azali ko travailler. Expliquez-nous un peu minéré de sang. Qu'est-ce que vous appelez minéré? Minéré de sang, ça veut dire que bah occidentaux bah d'accord, bah coltan, tout ça va créer bah guerre. Bah guerre il y en a est pour un parce que pour la minéré. Tant qu'on va créer guerre, bah tu vas couffir bah on va bénir minéré. C'est le minéré de sang. Alors dans ce film, le président a se projeté dans l'avenir pour laksa que gouvernement incapable. Il y a aussi ça bah intérêt de sang. Azali ko laksa n'est pas violé bah maman la chose. Il est acteur dans. Mais il est acteur dans le film. D'accord. Alors, bah, il va t'en rater parce qu'il va le voir. Pourquoi il n'a pas écrit? Pourquoi il n'a pas écrit? Il y a beaucoup qui disent ça, ils n'ont même pas lu le livre. Et maintenant, dans le film, bah, comme on a facilement, ils n'auront pas le temps de lire, mais bah, comme on a, bah, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est vraiment un leader, vraiment à dénoncer, bah, comme oh, il est caca, bah, Congo n'a bichon. Bah, voyage, bah, déplacement, tout est pris en charge par le gouvernement congolais. Au jour d'aujourd'hui, M. Kamere est considéré comme émissaire à Kabila. Donc, quand il y a des choses à traiter au nom de Kabila, c'est lui qui se déplace. La question que depuis que M. Kamere a se séparé de Kabila, bah, ça l'a pont. Kabila a la majorité, M. Kamere a l'opposition. Donc, courant et les gars, les sous-sous, entre Baron Balédé. S'il y a une personne à battre dans le Congo, Lilo, Monsieur Kabila à Koulikalibosso a abattre Monsieur Kamere. Kamere a voyagé en Europe, dans Mongo il y a gouvernement, a voyagé à émissaire il y a Kabila, a yaka pour na ko consolider ba lien na ba partenaire, a yaka pour na rota la ba faire nae, a yaka pour na rota la ba fédération n'engaza otamola, a yaka pour na ba étude nae. Quant à son logement, ce qu'a yaka côté. Donc comme exemple, moko très simple. Les dernières fois, on a eu pour retourner le film sur le tribunal sur le Congo. Pour une semaine, à commune à Munich, hôtel, hôtel, restauration, restauration et véhicules sont en déplacement. Tout assuré par la fédération et Yann Thielmann. Madame Miss Missenga. Tout ça qui est dans le Parlement européen. Le Parlement européen, on a quelques images. Logement, Colia. On nous a invités, tu vois, il y a plus de 200 personnes. C'est la fédération Nyonso et Europe qui ont cotisé pour te ressortir quelque chose pour le continent d'Abisso. Donc son logement, son déplacement, collien par la fédération de Belgique. Tant qu'on y a à côté, en France, il suffit de savoir que mon cousin a Roya. Surtout bien à Batinasso et à partir de bon, écoute, présent aux internationaux en France. On essaie de nous organiser de notre façon pour que tu vois Yamba président, pour un hôtel, restauration, pour un transport. Donc il paye 0 € dans la poche, c'est ma fédération, il y a les bandas, net au salaga, pour voir au salaga quelque chose pour mon compte. Ce qui peut-être abîmé ici, on abîme ça 30%, il y a un moyen, mais 70% dans 4 fédérations. Et beaucoup accusés en quoi? Vous voulez des preuves votre foot à un hôtel, ou vous voulez ticket que voilà, tu foot à tel transport, tu foot à tel hôtel? Moi je suis parmi les gens qui ont un hôtel, j'ai un hôtel pour la présent pendant une semaine, et dans la facture, dans le bureau, sur le palais, tu auras pour la présent. Il dépense pas dans la portefeuille. C'est l'organisation, il y a mon PPSIK, une façon de diriger, une façon de voir les choses autrement. Dans le cas de mon PPSIK, il y a tout, il y a tout.
Autrefois, bah, dans Oya, oui, je n'ai pas présent pour présent ça en bon. Mais non, mais maintenant, le président vient, mais bisous va tous loger, bisous va tous ces moyens de transport. Donc c'est une autre façon de voir les choses et nous on est à faire ensemble hein, mon PPS, mon si vous me dites que les alliés bah, fédération de sang ça va bon parce que bon tout l'anda quand même bino de très près hein, Boza quand même l'un de grands partis à Congo tout l'anda bino un petit peu tout le monde a comment Bosangana maintenant bon enfin à vous de juger bino balandina biso ngai na ko za simala bangote na za pe simala binote à vous de juger na maloba ndeko otiko kobimisa pour na ko éclaircir ba déplacement ya président Vital Kamerhe relation na bino na diaspora izandenge nini puisque na ebi que diaspora bango mtu ba bimisa ki likambo tango ba tuli boso bino mtu ana bolande te aza rwande aza mde kona biso te ye ako passe jamais président na kasa mboka na est-ce que relation na bino na tango oyo izalinde nini là qu'on s'approche de des élections présidentielles est-ce que bo rétablir relation de confiance à wana diaspora bon relation à 50-50 hein relation à 50-50 bat musuba ba vanda batala batale de A à Z batale que non makambu to banai ko akize mutwana izala ki faux et qui juste pour te salarier bat musuba vandi batikala toujours na position na bango ndenge ba ipsa ki bango bon batikala na position na bango mais pour na biso en tout cas to na jakata diaspora tu es marabatu bandeko ebele bandeko ya ba combattant ba résistant et belé ba ko s'approcher vers biso pas tout na biso ndene to évoluer ga et puis ba ye ba vérité à présent caméré tant to solo la mutu soka fandi a calculer a bona que oui effectivement na zala ki na fausté na kana erreur nzela ko la na yango to za boza toujours sur la chaîne Aerotech TV que nous allons marquer un temps de pause publicitaire merci beaucoup à tout de suite. My Lord and Savior, my God and King. Oh, Banabai, nous avons à la maison Père Noël chez Fina Bisso, c'est de Ambrose, dans Kata Palanga. Naoua, référence Ezali, hôtel Dominique numéro 122. Pas plan d'Anzeza, Aya, Nettiman, Zuya, Kazaka, Pignaté, Bapole, Semi-Polo, donc. Quatre pièces, un pantalon, gilet, quelques éléments. On va plaisir belé, c'est Mia qui va collection de polo et donc rien à dire quoi. Pour y avoir plaisir belé qui est là-bas, ça la mer, pour y avoir belé et ça la sève. Bon, voilà, et donc ça bien, magasin de l'amour, peigneur et l'amour, vous savez, donc voilà. T'as un autre ami qui m'a dit que l'amour quoi. Donc ça veut dire voilà, t'as pas de problème, moi. Ouais, solo peu que tu es Zali, Jean-Paul Koutou, tu as chalé les belles dans Mola. Donc ça l'appelle tout le monde aya, j'ai fait la biso, c'est le Ambrose aux maisons Père Noël. Na Palanga, Entrada, il y a Don Miguel, référence c'est à Don Miguel, pas le numéro 120. Montana. Oh, il y a les gens à côté. Afin de ça. Et il y a Koutou, carré, il tout y a. Déjà là, c'est pas ma carte à Luanda, la parabala, il y a Don Miguel ou à un numéro 122. Sur le côté, il y a rien à dire. Alors Ndeko to Zongelio tolanda ki bilili bipai nyonso banda Kinshasa ti na diaspora tomoni secrétaire Ewanga Bertrand Abimi eza esengo pona biso nyonso puisque za mwana mboka mais pona bino qu'est-ce que ça va changer sa sortie na yena ebana no santé nae à la sortie et puis naeba vraiment qu'est-ce que vous attendez de lui à sa sortie de prison. Salut biso esengo ya mingi parce que bakangi e pona biso à perdre
à perdre Moussa Lana dans le Parlement pendant une année pour déjà que la Kisaba ou la Kisabso d'une façon ou d'une autre. Il y a un député à l'INC. Celui qui joue à double G, je crois déjà un, vous avez à l'INC qui a été la prison pendant une année. C'est un père de famille à perdre le tout, à côté de Bologo, abîmé, qui est là qui s'inquiète. Nous ne sommes pas de mèche avec le gouvernement en place. Et sortir à M. Bertrand Iwanga et qu'on impacte encore ma casse INC. Et qu'on impacte ma casse parce que là, franchement, tous allés prêts, il y a qu'au Bima Sukoyo, dans la région Moussousso, au Tokenaki, dans la tournée, avec notre secrétaire général, et qu'on peut ça impacte ma casse dans la INC. Tous allés, un des grands partis politiques, un des premiers partis politiques à l'opposition, et qu'on propulse encore comme leader de l'opposition. Mais dans la grande cité Togolanda, pas à pas, monsieur Iwanga Bertrand, Potoyeba, Ndenini a fonctionné. Qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau dans la grande partie Tobimina na politique, question Mokoyamouke, Lelo et Sengweza, partagé dans la grande population congolaise, puisque Tomoni, pour la première fois, et le quoi impacté quand même population les lots, ils allaient acheter deux avions Oyo et Outi dont mon Outi qu'ils allaient livrer na il y a 3-4 jours na Kinshasa et donc ça remet sur le rail notre compagnie nationale d'aviation Congo Airways. Quoique, bon, le rumeur, c'est un vieil avion, c'est acheté cher, pourquoi on ne pouvait pas investir dans un nouvel appareil? Merci. Bon, tout allé arrêter uniquement pour critiquer. Ce qui, ben, on va faire quelque chose de bien. Bon, il faut rejeter mon flair. Ça veut dire, on va s'en mettre avion, on va s'en mettre des avions. Tu reviendras au critiquer, tu dis merci, merci quand même parce que compagnie, tu as une compagnie aérienne là-bas A320. Parce que mes balais, tu veux bien avoir remercié, mais seulement les montants où ils sont mis avion, bah avion mes balais on a. Tu croyais qu'on sont mangé peut-être 4 ou 5 avions. Mais le montant où ils sont mis les deux avions d'occasion. Ah ouais. Où ils sont 3 ou 4 avions. Et pour 14 ans de règne, bah comme il a fait un mandat à Bango. Bah écoute, il a mis sa carte Moro, bah vite au sommet avion, ils ont quand même sonné. 14 ans, bah sommet que deux avions. Et pourtant, deux avions d'occasion. Et pourtant, dans 14 ans, il y a pouvoir, par an, bah vous voyez qu'au sommet, deux avions par an. Deux avions. Donc, la flotte aérienne, actuellement, bah vous voyez qu'aux Alomouins, on a 30 A320. Mais oui, peut-être qu'ils ont une priorité. Il y a une priorité de façon pourquoi? Parce qu'il y a une priorité. Urgence n'est 5 secondes pour 320. C'est juste fait un mandat là-bas. Voilà. Mais si tu as un salaire, tu as un avion, tu as un libre, tu as un libre. Juste la stratégie, il y a un collègue qui s'est battu. Mais le temps, ils ont un souci sur l'aile qui s'est battu. Je te félicite quand même. Bon, je suis quand même un avion. Mais on a pris au Babimissi pour te faire à l'État et l'élite parce que. Monter bah ici sur y a monté un avion ils ont correspondre à un vieil avion et pourtant la flotte n'a plus tu vois au moins une trentaine y a avion où il va se mieux bon on a vu que bino va politicien bon dimanche raté surtout na ton dimanche on a vu quand tu bois quel bon fleur non mais à la fin oui bon bois quel bon fleur mais à la fin au baby si au lobby non pourquoi ça la mieux oui pourquoi ça la mieux tu bois quel bon fleur bah mieux merci mais il pouvait faire mieux. D'accord. En tout cas, on a ganti pour na reçu qui ça, ceux qui vraiment osa na liloba ya suka, pour na balandi na biso, ou ba pesa biso confiance. Oyo, bakani sara ke Congo po etelema, il faut opposition etelema. Lelo opposition etelemi. Mais toning to ba ceux qui vraiment bino ba opposition, au cause na combo ya Vital Kamerhe, na combo ya UNC, ceux qui osa na un dernier message à adresser à nos téléspectateurs pour tout ce que ça émission. Pendant qu'on a besoin, bakunda qui bango 425 Congolais, babengi bango indigents, bakundi bango comme des chiens, tout lobby en côté, tout l'équipe en mouvement. Et pourtant, si j'ai mogo, à chaque fois que tu reçois l'émission, il faut te réveiller conscience à peuple congolais que toi yé baba toi na bakunda qui bango d'une façon indigne. Pourquoi? Pourquoi? Bato bakufa ki wapi?
Donc, il y a un sujet, il fallait peut-être développer, tu as peut-être dans l'émission Mbalasima. Bon, c'est vrai que c'est un sujet qu'on a déjà abordé avec l'un de vôtre, monsieur Tchatumba. On en a déjà abordé, on en a parlé, on a voilà, saison pour laquelle j'ai pas voulu faire mention à cela pour ne pas revenir sur les émissions précédentes. Et mais sinon, si vous avez un mot à rajouter là-dessus, ben le micro voilà. Choisima, c'est pas grave. Donc tu as bien abisso battu à INC, puis battu à dynamique et opposition. Tu as bien à bande qu'on a besoin de nous sur basant opposition. Tu as bien à diaspora. Tu as bien à candidat nous sur il y a ben il va postuler en 2016. Tomiti à Bomoko. To épaulé ba opposant au basali na Congo na dynamique et opposition. Poté à la fin to kokoke na mbala oyo na candidature unique. La carte dynamique qui a opposition au Tozali Nakati, Togo Pona par un primaire, un président de la République pour la 2016. Si jamais élection est au Salam. Donc, tu as bien à bande qu'on a besoin de Nyoso. N'a pas eu besoin de doute, n'a pas eu besoin de n'importe quoi. Tu as moni quand même constance. Il y a battu dans la carte, il y a structure, il y a dynamique et opposition, ce qu'ils ont fait. Et tu as capable de contrecarrer Kabila et Kobimisa, un candidat unique. Tu as besoin, il y a Papa Nguanda. Tous les besoin, il y a battu à IDPS. Tous les besoin, il y a résistant. Tous les besoin, il y a combattant. Tous les besoin, il y a battu Nyoso. Tout quoi cause là, bon moko pour que tout quoi rencontre battuana. Munguna la biso, ils allent battu haut, ils allent na gouvernement actuellement. Donc, Tommy Borg ma banga entre bisoté, tout c'est très entre carré entre biso mon côté, mais tout quoi cause la opposition. Contre les régimes en place. Donc, ceux qui sont soudés, qui sont innés, qui sont à Bomoko, nous sommes longs pour 2016, si jamais l'élection est au Salam. Nous allons saluer le président national, M. Vital Kamere, nous allons saluer le secrétaire général, M. Bertrand Iwanga, nous allons saluer mon fédéral de France, M. Didier Piana, nous allons saluer le fédéral Mama Anna, nous allons saluer ma famille Biongo, ainsi que toutes les fédérations de l'Europe INC. Merci beaucoup, M. Jean. En tout cas, Bande Kobalandi, c'est Pelimingi pour nous dire que vous êtes toujours ébellé. Et Bella Olanda Bimission Abisso, et Bella Okomelabisso, et Bella Osalabisso, bah remarque, il y a remonté d'informations à Sika et Panabisso, donc Bisso, Baumunabino, Tozana, pour nous fouiller d'informations avant tout diffuser, toutes les informations sont vérifiées. C'est la raison pour laquelle donc, on a eu le plaisir de vous présenter M. Robert Biongo aujourd'hui. On est certain que vous allez remonter toutes les remarques que vous avez pu noter par rapport à l'émission d'aujourd'hui, tout en sachant que vous serez encore aussi nombreux qu'aujourd'hui pour la prochaine émission. Et donc, si vous voulez contacter le parti UNC France, donc il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Donc, vous pouvez directement contacter soit le secrétaire fédéral France, soit les deux secrétaires adjoints et, qui sont basés ici à Paris. Mais franchement, à très bientôt.